C'était il y a un an, l'ambitieux projet Jean Nouvel était lancé en grande pompe à la mairie de Buchères, mais voilà, un an après, donc le terrain vague est toujours vague, alors que les constructions devaient démarrer au deuxième semestre 2008. Le projet fait parler dans la commune. C'est un lieu de déplacement, je dirais le dimanche, pour voir où ça en est. Donc quand les gens vont, tiens, ça, l'herbe a été coupée, ça va avancer, après les panneaux sont tombés, ah ben non, c'est fichu, les panneaux sont remis, ah bon, donc c'est que ça repart. Voilà, donc c'est presque des réactions, j'allais dire, sentimentales. Tout le monde attend avec impatience de voir à quoi ça ressemble, au-delà, j'allais dire, des images. Le retard pris sur le projet serait dû à des problèmes techniques. Les entreprises qui s'étaient lancées dans l'aventure ont jeté l'éponge, soit car les prix étaient trop élevés, soit par manque d'expérience dans cette architecture écologique et contemporaine. C'est notamment le dossier concernant le toit végétalisé qui a coincé. C'était des problèmes techniques, si vous voulez, de passer de la conception styliste du designer, enfin de l'architecte, à la réalisation pratique. Et on a trouvé des compétences, mais compétences de gens qui ont l'habitude de construire des pavillons traditionnels et qui, en fait, même en leur expliquant bien le projet et ce que l'on voulait faire, on n'a pas arrivé à une adéquation pour la construction. Depuis, un nouveau maître d'œuvre a été désigné, quelques caractéristiques techniques ont été modifiées, mais les grandes lignes du projet restent les mêmes. La grande nouveauté pour 2009, c'est donc que les maisons devraient enfin sortir de terre. On a bon espoir de pouvoir construire le pavillon témoin donc pour l'été et pouvoir proposer les maisons à la vente à partir de mai ou juin de cette année. Dans un mois et demi, les entreprises désignées pour le chantier seront définitivement choisies. Face à ces nouvelles rassurantes, le maire ne peut que se réjouir. Aujourd'hui, très sincèrement, là vous voyez, tout à fait confiant, je vais pouvoir en parler positivement et puis rassurer les personnes qui viennent se renseigner. On va apporter donc les réponses positives qui conviennent, puisque c'est positif. À en croire le concepteur, il y aura donc bel et bien un projet architectural Jean Nouvel à Buchères. Reste tout de même une condition indispensable au succès de l'entreprise, que les maisons trouvent rapidement preneur.